C'est bon, ça fonctionne. Bon, je vais j'écourte un petit peu l'intro parce que ça fait chier. Donc bonsoir tout le monde. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de stream. Hein. Zi, je chante en français. Oh ouais, je vomis en français. C'est du français vomi. Est-ce que tout fonctionne bien là normalement? Dites-moi si vous avez du son, si vous entendez ma voix ou pas. Parce que j'ai rien touché en fait à la config de d'habitude. Donc c'était comme au dernier stream. Donc je suis toujours relié, non pas en Wi-Fi mais en Ethernet. Et puis voilà quoi, je sais pas, on va commencer de toute façon, on va pas trop traîner parce que je vais vous expliquer le jeu qu'on va streamer en fin de compte, Batman The Caped Crusader, motherfucker. Ça y est, je pète un câble. Voilà quoi. Là c'est bon, le Twitch il est affiché, le chat Amstrad aussi. Ok.
Donc, je vais activer audio du bureau parce que sinon on va entendre mon cul. Hop, je vais directement lancer le bousin. Donc, bah, bonsoir à tous, quoi. Donc, j'espère que vous m'entendez. Donc, il y a quoi? Il y a BDC, il y a DEC, mon prêtre bénisseur, qui a. En fait, c'est mon gourou. Il a invoqué le Saint GX pour m'éviter un fail monumental. Donc du coup, je n'ai eu qu'un mini fail. Il y a Grisor, Comenor, MacDeath 26, Moonbeam, Mudubu, Mion, Paco Rabanne, Riti, Winner. Ok, c'est cool. Le pas assez fort le son, comme dit Descartes. Ok, donc le son de ma voix. Moins fort le son. Ouais, faut savoir, les mecs, c'est pas assez fort. Attendez que je mette le son du jeu. Puis vous me direz si c'est assez fort par rapport à ma voix, en fait. Ou s'il faut que je baisse le son du jeu. Parce que je vois que le niveau est assez haut là-dessus. Pas assez fort. Ok, donc. Oup, filtre. Le gain. On va le pousser un petit peu. Je vais rajouter 3 dB. Est-ce que c'est mieux comme ça ou pas? Ça coupe chez vous aussi? Ouais, mon débit est trop élevé? Le son est bon, mais ça coupe. Le son est bon, mais ça frise de temps en temps. OBS, préférence. On va réduire un petit peu le débit vidéo. Je suis à 750. Je vais le descendre à 250. Bon, je vais passer à 700. Hop, ok. Et puis voilà. Moi, j'ai du son, mais j'ai le rond qui tourne par moment. Non, faut attendre un petit peu avant de voir si ça change. Ça a l'air assez régulier en plus. Oui, les coupures sont régulières. Ah, du son et de la voix, c'est bien. Bon, je vais attendre un petit peu, vous me dites ce qu'il en est, j'ai réduit un petit peu le débit. Donc, tiens, c'est bizarre, c'est quoi ce que j'ai en upload là? Est-ce que j'ai bien coupé le truc? Tiens, je jette un petit coup d'œil, hein, ça va être moche. Ah oui, tiens, je vais couper ça. Parce que ça me fait chier à chaque fois. Oh, puis c'est chiant cette fenêtre de chat à replacer dans le bordel là. C'est vraiment pas pratique du tout. Voilà. Et le son trop fort. Mais Moonbeam, il me dit que c'est trop fort, mais les autres me disent que c'est pas assez fort. Donc en fin de compte, qu'est-ce qui est pas fort? Qu'est-ce qui est trop fort? Faut me dire. Parce que moi, j'ai pas de retour. Donc faut me dire ce qu'il en est. Parce que s'il y a besoin, je peux réduire encore le débit vidéo. Hein. Je vais le redescendre encore. Parce que j'ai un peu de marge encore, je pense. Sauf si c'est bon. Ouais, bah, je vais redescendre le bitrate vidéo, je vais le mettre à 650. Donc en tout, je l'aurais descendu de 100 par rapport au début, en fait. Quant au débit audio, je vais le foutre à 96. J'espère que ça va pas être trop dégueulasse, hein, 96. Voilà, donc là, à partir de ce moment-là de la vidéo, je suis en 650. J'attends que vous me disiez si c'est OK ou pas.
Bizarre, le fail ce soir, c'est les lags et coupures. Bah ouais, tu vois. Ça peut pas être des le même genre de fail. Là, c'est un fail de la campagne. Hein. Toi, c'est un fail urbain. Moi, c'est un fail rural. Bon, bah, je vais commencer parce que bon, voilà, ça me pète les couilles. Donc, on y va. Alors, faut que je vous explique. Hop, on va passer sur ce truc-là. Donc, le jeu, donc, bah, c'est Batman The Caped Crusader. Donc, bah, évidemment, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué quand j'étais gamin. Pour la petite anecdote, bah, voilà, c'est ma grand-mère qui m'avait acheté le jeu. Je voulais absolument ce jeu-là parce que je l'avais vu dans les magazines. Et il était très joli, mais pas de bol, c'était les screens Amiga et Atari ST. Et du coup, j'étais très déçu quand j'ai eu le jeu. Après, bah, c'était Batman, donc bon, bah, Batman, c'est Batman, quoi. Hein. On est content quand même. Donc, voilà, il est sorti en 88, d'après ce que je lis. Et c'est marrant, j'ai fait mon curieux, j'ai regardé qui c'est qui avait fait ça. Moi, c'est OK. Programmation, Jim Bagley. Et en fin de compte, le gars, il a fait, alors dans les jeux que je connais, il a fait Hudson Hawk, Rambo, qui est totalement injouable, mais enfin trop rapide, je trouve. Red Hit, et Cabal. Sinon, Midnight Resistance, je connais pas du tout. Ça coupe toujours. Je vais le réduire encore, mais après je pourrais pas faire mieux les gars. Je pourrais pas faire mieux après. Parce que après, il n'y aura pas que le jeu qui va être en 8 bits. Là, c'est ma gueule qui va pixeliser. Je crois d'ailleurs qu'elle doit pixeliser déjà. Donc voilà, à partir de là, je suis en. Et l'émulateur a l'air d'en chier. Oui, bah de toute façon, c'est Arnold, hein, c'est le même émulateur que d'habitude. Et le son, en général, sur cet émulateur-là, c'est le principal problème. Mais vu que personne veut se casser le cul à faire des émulateurs Amstrad CPC sur Mac, bah voilà, on bouffe les restes. Donc on fait avec les moyens du bord. Bonsoir, qui me dit Moonbeam sur Twitch. Bah bonsoir Moonbeam. Il y a Moonbeam 1 et Moonbeam 2. Donc voilà. Donc bah, ça va être un stream de campagne hein, les gars. Hein, voilà, il y aura du lag, il y aura. Voilà. Donc petite chose à noter, c'est que dans ce Batman, il y a deux parties qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut faire la deuxième partie sans avoir à faire la première. Mais en général, la première partie, que ce soit sur Amiga ou sur Atari ST, ou sur CPC, même si les jeux sont un peu différents dans les décors, dans tout ça, enfin dans le concept, on peut faire le 2 sans le 1, et le 1 est toujours plus facile. Mais, franchement, à faire ça en un seul stream, les deux, moi, je le sens pas. Je le sens pas parce que, franchement, ça va être super long. À la limite... Quand j'y ai joué, au bout d'un moment, on répète les mêmes actions, on va super vite, mais juste pour vous montrer, je repasse sur l'autre scène. Vous allez vous rendre compte, je vous ai mis les maps aussi dans le sur le côté, sur le chat. Donc ça, c'est les maps que j'ai faites sur, bah, pour m'aider, parce que franchement, c'est un vrai... c'est laquelle, celle-là ? C'est un vrai labyrinthe, ce jeu. Donc voilà, déjà, rien que ça... C'est évidemment je vois pas ainsi comme ça peut-être voilà donc ça c'est ce que vous avez à droite du chat je vous ai mis les maps donc ça va être super long il y a tout un tas de choses à faire pour finir chaque partie la deuxième est encore plus longue donc je suis pas sûr de faire ça en un stream déjà parce que je trouve ça chiant les streams quand ils sont trop longs. Puis moi ça va me gonfler de faire un truc trop long donc voilà on va je pense que je vais peut-être le faire en deux parties parce que là voilà ça fait déjà 10 minutes que le truc est commencé on n'a toujours pas commencé à jouer donc voilà donc si vous voulez suivre à droite donc c'est un jeu d'action
un jeu d'action dont la première partie, le but c'est quoi? Bah, c'est de trouver un ordinateur qu'il va falloir détruire. Donc pour info, il va falloir le détruire en insérant un virus dans l'ordinateur. Et pour anéantir en fin de compte le projet du pingouin qui est de fabriquer justement une armée de pingouins mécaniques. Et pour conquérir le monde. Quel blaireau ce pingouin. Bon. Alors, ma manette. Ah oui, j'ai changé de manette au fait. Parce que la dernière, bah, vous vous souvenez, hein, je l'ai balancée dans le mur. De toute façon, elle était morte. Et j'ai acheté ça. Donc en fin de compte, j'ai pas trouvé de joystick plus sobre. Donc bah voilà, j'ai trouvé ça. Donc c'est comme un Atari, c'est comme pour Atari 2600, sauf que voilà, en USB, machin. En plus, il est joli parce que c'est un stream de Noël. Et vous entendez? Il y a des micro switch dedans. Et c'est pas comme la manette de l'Atari 2600. Donc voilà. Donc, moi j'ai joué avec ça parce que bah voilà, c'est joli quoi. C'est classe ça. Ouais, ça fait des petits effets. Bon, allez, c'est parti. Alors, on arrive. On vient de la Batcave. De la Batcave. Donc, si vous suivez les plans, après, vous suivez, c'est pas, faites comme vous voulez. Après, moi, je suis obligé de les suivre parce que sinon, je suis complètement paumé. Et puis, pour rien vous cacher, j'y ai pas joué depuis peut-être au moins un mois, parce que c'était le mois dernier, je crois, que j'avais fini le jeu. Donc voilà. Très bien. Tac. Ça reste. Là, ça lag totalement. Bah ouais, bah là, je suis désolé, j'y peux absolument rien. Donc c'est parti. Donc, pour info, au niveau des contrôles, bah, gauche, droite, voilà. Hein, la manette vers le haut, donc on saute pas, mais on va face au mur. S'il y a une porte, eh ben, on va dans la porte. Et dans l'autre sens, pareil, voilà, on va dans une porte qui est indiquée vers nous. Quant au bah, le bouton fire, comme ça, il fait absolument rien. En fait, il faut faire voilà, gauche et fire, il donne des coups de pied, ou droite, fire. Hop là. Là, c'est le batarang. En fin de compte, là, pour l'instant, j'ai rien. Donc, c'est diagonale haut, hop, coup de pied levé. Et coup de poing, c'est gauche ou droite et fire. Et sinon, vous avez accroupi, donc c'est diagonale bas ou gauche. Et là, on donne des coups de pied, quoi. Voilà. Donc, et là, je viens de faire bas, fire. Donc là, ça nous amène à un menu. Donc, pourcentage. Donc, ça, c'est le pourcentage d'avancement du jeu. Ici, c'est pour arrêter la musique. Là, c'est pour déposer un objet qui ne nous sert à rien, parce qu'on va ramasser des objets pendant le jeu, mais il y en a qui nous servent, d'autres qui ne nous servent pas. Là, c'est pour utiliser un objet. Et là, c'est pour revenir au jeu, sinon RIP, bah, voilà, c'est pour mourir. C'est quand Batman il a envie, bah, il se suicide. Donc, voilà, sinon en dessous, vous avez une jauge d'énergie, donc là, il y a le cœur, donc c'est quand Batman marche beaucoup, bah, le cœur descend. Et pour que le cœur remonte, il faut s'arrêter tout simplement. Donc quand Batman s'arrête, et des fois c'est un peu chiant, il faut attendre, et puis le cœur, la jauge du cœur remonte. Ça, c'est quand on se prend des balles dans la tronche ou des coups de pingouin. Ouais, des coups de pingouin. Effectivement, on peut se prendre des coups de pingouin. Donc ça, ça descend, nos forces descendent. Ça, c'est le temps. Et ça, j'en sais strictement rien. J'ai pas compris du tout à quoi servait cette jauge concrètement. Donc... Donc voilà. Et les objets en question, bah, ils vont s'afficher ici, là où il y a ma petite chauve-souris qui clignote. Voilà, ils s'afficheront ici. Voilà. Et donc là, je démarre le jeu déjà avec de l'énergie en moins, parce que voilà, j'arrête pas de faire blablabla. Bla bla, et donc j'ai déjà perdu de l'énergie. Donc on y va. Donc, on va se balader dans la Batcave et on va ramasser tout ce qu'on trouve. Voilà, déjà ça. Touk. Red Nose, un nez rouge. Pour info, le nez rouge, il servira à se rendre invisible. Voilà, je vous traduis en même temps l'utilité des objets, parce que là, il va falloir suivre. Broken Machines. Donc, on est dans une salle où il y a des machines cassées. Bah, ça tombe bien, là, il y a une clé à molette. Franchement, là, ils mettent tout sous le pif. Donc, il faut se mettre sur l'objet. On pousse la manette vers soi. On appuie sur Fire. Voilà, et ça ramasse l'objet, en fait.
Now you have the tool. Ok, on a l'outil, c'est bien, on va pouvoir bricoler maintenant. Donc on continue d'avancer. Voilà, donc ici, on a... Batarang. Donc ça, bah, c'est le truc que Batman y lance pour pas tuer les ennemis, parce que dans ce jeu-là, on peut pas tuer les ennemis. Pour les faire faire des pirouettes. Parce qu'en fin de compte, les ennemis font des pirouettes quand ils se prennent un boomerang dans la gueule. Donc c'est assez original. J'espère que je ne me suis pas trompé de map, hein, n'empêche que... Voilà, ok. Je vérifie en même temps que voilà, je lis le truc. Donc ça, lockpick. Donc ça, c'est un pied de biche. Lockpick, c'est un pied de biche. Donc voilà, ça servira à ouvrir des portes qui ne s'ouvrent pas avec la clé. Là, on arrive à la Batmobile. Qui ne sert strictement à rien dans le jeu. Hein, donc, bien évidemment. Voilà, en 7... Parce que j'ai numéroté mes pièces, voilà, donc là j'ai une bombe. Pareil, j'ai pas trouvé à quoi correspondait la bombe. Donc, ouais, c'est ça la même. Alors, il y a des objets qui servent vraiment à rien du tout. Donc, ouais, c'est des feuilles à carreaux, Paco, hein. Et ouais, parce que ça va plus vite, quoi. Franchement, faire des captures d'écran à chaque fois qu'on joue au truc. Puis moi, je me suis entraîné sur le CPC, donc du coup... Hop là, un bad disque. Donc ça, bah, c'est une disquette. C'est une disquette, et ils me disent « Insert the disc ». Donc là, je vais insérer un disque. Alors, je vois pas où, mais on va dire que c'est il y a des ordinateurs, donc je mets mon joystick vers moi. Donc ça c'est pour faire une action. Donc bon là ça va pas servir à grand chose dans le jeu, mais voilà, je monte quand même. Fire est vers soi. Donc là on a toute notre collection d'objets trouvés depuis. Alors je vais avoir besoin du Batarang, je préfère l'activer tout de suite. Donc là je vais sur le point, poum, et j'ai déjà avancé de 4% dans le jeu. Ouais. Donc là j'ai la disquette. Pareil, je peux l'utiliser, parce qu'il me disait qu'il y avait des broken machines, donc on va les. Voilà. Ou insert de disque, je sais plus, voilà. Donc là, je suis à 5% du jeu, c'est bien. Voilà. Et en haut plutôt, il y a le petit texte qui a changé. C'est marqué Games People Play. Ok, d'accord, c'était un jeu. Donc aucun intérêt, quoi. C'était juste. Je pense que c'est des fausses pistes, des fausses actions. Il n'y a pas vraiment de but. Alors, Broken Machines, donc là, on va les réparer. Donc on utilise l'outil. Et honnêtement, ça sert strictement à rien ce que je fais là. Un virus dans l'ordinateur. Mais juste une routine de BDC. Il va pas être content, il va gueuler. Déjà qu'il gueule parce que ça lag. Ah, j'y peux rien. Là, franchement, moi je sais pas quoi faire. Donc, c'est un joy pour Atari 2600. Oui et non, Paco, en fait. Ça a la gueule d'un joystick Atari 2600, mais c'est en USB. Et ça s'allume. Voilà. Va-t-il casser sa nouvelle manette? Alors j'espère pas. Surtout je l'ai eu en promo. Voilà, là-haut c'est marqué Way Out. Donc là on sait qu'on va sortir. Voilà, et là on sort de la Batcave et on arrive dans la verrue avec Wanted. S'il y a marqué c'est un Joker ça, c'est... Voilà. Donc là, voilà l'état de mon énergie. Donc ça sert aussi de pause dans le jeu, ce passage-là. Apparemment, l'énergie ne descend pas pendant qu'on est dans cette partie-là. Contrairement à la version sur Amiga, vous avez beau être dans la partie dans le menu, ça... Voilà. Ça descend quand même. On meurt quand même si on est dans son menu. Qui c'est qui dit pourquoi je change de scène ? This change de scène. Mais de scène de quoi? Pourquoi il dit ça, Paco? Bah, je suis sur la scène jeu, là. This change de serveur Twitch. Non, mais qu'est-ce que tu me racontes, là, Descartes? C'est quoi, ça change de serveur Twitch? Ouais, bah, je sais pas, moi, ce que Twitch, il fait, quoi. Donc,
enfin bref, je sais pas trop. Donc il va falloir que je parcours la ville pour récupérer déjà d'une part des objets. Donc voilà, vous allez voir des ennemis là. Donc là, je lance mon batarang. Tchac, ça les fait pirouetter. Je sais pas si ça se dit. Voilà, là il y a une échelle. Donc on va y monter après. Je vais vous expliquer comment on monte aux échelles. Parce qu'il y en a qui ont joué à ce jeu sur Amiga et ils savent pas comment on fait pour faire diagonale haut. C'est la même fonction sur Amiga qu'Atari ST en fait. Et que c'est PC. Sweet! Donc là il y a un petit bonbon. Hop, là on se baisse. Ah mince, raté. On peut se baisser donc pour esquiver les balles. Là c'est une chaussure. Voilà. Trainees. Donc c'est pour que Batman court plus vite. Seulement, si Batman court plus vite, son rythme cardio va s'accélérer et le cœur donc, va descendre. Donc faut vraiment que ce soit utile quoi. Je sais même plus pourquoi, quand est-ce que j'ai pu utiliser ce truc. Donc là, vous voyez à droite, il y a un mur, donc on peut pas aller plus loin. Donc je reviens dans l'autre sens. Voilà. Je donne des coups de pirouette au bonhomme. Là, il y a une petite échelle. Donc on se met à côté de l'échelle et on fait diagonale haut pour y monter. Mais il faut vraiment se mettre juste à côté. Hop là. Et ensuite, on monte. Et là, nous voilà sur les hauteurs de Gotham City. Alors ça, faut le deviner, que c'est une corde. Putain. Moi, le problème que j'ai eu quand je jouais à ça, quand j'étais gamin, c'est que je pigeais pas grand-chose à ces mots-là en anglais. Je connaissais pas l'anglais. Et il n'y avait pas Google Traduction non plus. Donc du coup, j'ai jamais pigé ce qu'il fallait faire au jeu. Alors, ensuite... Ensuite... Ouais, je pense que je vais aller par là. Donc, ici, il y a des méchants, toujours pareil, voilà, on leur donne des coups de pirouette. Alors, des fois, ils donnent des coups de boule. Voilà, alors là, je me mets en face de la porte. Oh, puis là, en plus, ils nous aident, hein, ils disent take your pick. Donc, on prend le pick. Donc le pied de biche, on l'utilise et paf, 13%, c'est-à-dire que l'action a fonctionné quand le pourcentage augmente. Et ensuite, on continue. Voilà, donc l'autre il me donne des coups de boule en passant. Voilà, tiens, moi je te fais pirouetter la gueule. Hop, et on continue par là. Et là, qu'est-ce qui se passe? On retrouve une autre échelle d'un autre côté. Alors, il faut comprendre un truc. Donc là, je vais descendre de l'échelle. J'ai pas pigé comment ça fonctionnait au début. Mais en fait, sur la map... La map est boucle, c'est-à-dire quand vous arrivez à l'extrême gauche, c'est comme si vous étiez à l'extrême droite de la map. Donc j'ai mis un petit moment avant de me rendre compte que finalement je tournais en rond. Donc là, j'étais dans la partie droite de la map, donc dans cette partie-là. Et là, je suis arrivé ici. Donc voilà, donc là, je suis de l'autre côté. Alors j'ai fait ça... C'est pour prendre les objets qui sont dans la partie gauche de la map, parce que sinon c'est trop long. S'il faut que je revienne, que je redescende l'échelle et que je repasse à gauche, je vais y mettre... Je vais passer beaucoup trop de temps. Même si le temps n'est pas non plus... On n'est pas non plus à l'arrache dans le jeu, bon. Voilà, donc on va essayer de finir cette première partie ce soir. Hop, on retourne au jeu. Donc là, j'ai descendu. Alors, la porte qui est à côté, à gauche, j'ai tout essayé comme objet dessus. Je vois pas à quoi elle sert. N'empêche que, bon, elle sert pas enfin, elle sert à rien. On peut finir le jeu sans s'en occuper. Voilà, j'arrive ici. Je me retrouve avec une autre échelle. En 15, Doki. Ah oui, j'avais mis la clé d'une porte en 15. Donc, on va aller par là. Parce qu'il y a une clé à ramasser. Don't pass, go. Alors là, il y a une maison, il n'y avait qu'une porte. Donc là, j'ai pas ce qu'il faut pour l'ouvrir. Donc il faudra avancer un petit peu dans le jeu pour récupérer ce qu'il faut, en fait. D'accord. Alors là, c'est assez étonnant. Parce que je n'ai pas rencontré la clé. Y aurait-il un bug, quoi ? Ah, c'est curieux. J'aurais parié qu'il y avait une clé. J'ai noté qu'il y avait une clé à cet endroit-là. Bizarre. Ouais, bizarre.
sais pas, je comprends pas. Donc on va là-haut. Donc là, cette porte-là, bah, elle sert pas à grand-chose. Tiens, salut Tarodius. Sympa le principe d'avoir les anciennes salles en dessous grisées. Ouais, je trouve ça joli. Au niveau de... 10... ouais, là, il y a... Normalement, il est censé y avoir un objet après. Voilà, une canette de coca. Donc ça, ça permet de redonner de l'énergie au cas où ça se passe mal. Et un petit peu plus loin, il y a un autre objet utile que dont j'ai besoin, voilà. Donc là, on voit bien que c'est une lampe torche. Là, ils ont bien dessiné l'objet. Parce que franchement, des fois, ils dessinent des items. Faut vraiment avoir la traduction en dessous pour comprendre ce qu'on vient de ramasser. A priori, j'ai ramassé tout ce qu'il y avait dans la Batcave à l'heure actuelle et tout ce qu'il y avait en ville. À part Dorky que j'arrive pas à retrouver. C'est bizarre. Je me demande s'il n'y aurait pas un bug dans le jeu. Bizarre. Et je me souviens plus à quoi sert cette clé en plus. Forcément à ouvrir une porte, mais je vois pas trop. Donc là j'arrive donc oui dans cette partie là. Je vais quand même continuer un petit peu plus loin à droite parce que ça me semble vraiment très étrange. De toute façon j'ai besoin d'aller par là parce qu'il faut que j'aille dans la porte que j'ai ouverte au pied de biche. Don't pass, go. Donc ça là, pareil, il faudra y revenir, un de ces quatre. Donc là bizarre, pas de clé. Ah elle est là la clé, d'accord, je me suis trompé d'un écran. Voilà, Dorky, voilà. Donc là j'ai tous les outils. Zisquire, tu es sur quel serveur Twitch? Oh, ben j'en sais rien moi deck. Pour moi Twitch c'est un serveur et puis terminé quoi. Enfin je vois pas quoi. Je comprends pas pourquoi il y a plusieurs serveurs Twitch et comme. Ben, là j'aurais dû regarder ça avant quoi, parce que là je vois pas trop en fait. Donc voilà, après maintenant je vais pouvoir aller vers. Tac, allez, un petit coup de pirouette. Hop, on continue. Là, on se retrouve à l'entrée de la Batcave. On est bien ici. Voilà, là, c'était la Batcave. Hop, un autre petit coup de pirouette pour ces messieurs. Voilà, là, on va pouvoir monter. Hop, on continue. Et après, c'est la merde. Oh, j'aime pas la partie après. Elle est compliquée. C'est un vrai labyrinthe, en fait. On arrive dans la maison du Joker. Voilà. À partir de là, c'est compliqué. Bon. Là, actuellement, je vais revenir sur mon truc. Je rechange de scène. Voilà. Là, actuellement, j'ai fait tout ça. Là, tout ça, c'est la Batcave. Donc, j'ai pris tous les objets qui étaient là. Ici, c'était la ville. Voilà. Là, il y avait l'espèce de porte marquée « Don't pass, go ». Alors, cette porte-là amène dans une maison qui est immense. Voilà, où on a plein de choses à faire dedans. Mais qu'on ne peut pas ouvrir tant qu'on n'a pas visité cette maison-là, dans laquelle se trouvent des objets qui permettent donc d'ouvrir celle-ci. Voilà, donc là, il va falloir aller là-dedans. Et donc, la maison en question, elle est là, en fait. Voilà. Donc, c'est tout ça. Et pour l'autre maison, bah, j'ai dû prendre une autre feuille, je crois. C'est... voilà, c'est... voilà, c'est celle-là. Et celle-là, franchement, c'est un vrai bordel, quoi. Et c'est donc la fin de la première partie sur ce truc-là. Donc on va revenir à la scène du jeu. Hop. Son joy est peut-être déjà éclaté. Ouais le gars, c'est du lac de la campagne. Ça se trouve, Zisquire est déjà vieux. Elle croit pas si bien dire.
Les 40 piges, ils approchent à grands pas, quoi. Donc, eh ben, il va falloir y aller dans cette maison du Joker. Par contre, je me souviens plus du tout par où il faut passer. Donc là, dans les objets, il y a des objets qu'on va pouvoir dégager au fur et à mesure, comme ici, lockpick, ça se trouve... enfin, il n'y a plus rien du tout. Z-Square se demande pourquoi on lui demande de changer de scène. D'accord, je viens de piger pourquoi. Donc quand Paco... Oh la vache! Quand Paco, il m'a dit ça, ça veut dire que... Oh putain, la vache, ah ouais, vous êtes vachement en décalage. Ben, c'est ça d'habiter dans le trou du cul du monde. Hein. Rendez-vous dans 10 minutes, Ziz. Bah, ah, dans 10 minutes, effectivement. Bon, bah moi, je continue mon truc. Hein. Et puis... ouais, ça va être chiant, mais bon. Z-Square, va à gauche. Pourquoi je vais à gauche? Ouais, enfin, faut pas. Je crois qu'il faut pas que je fasse de rapport avec le chat parce qu'il y a trop de temps. Hein. Il va briser le continuum espace-temps. Hein. Ah, là, je l'ai sodomisé le continuum espace-temps. Hein. Tiens, enfin, en parlant de sodomie, Deck, Descartes. À ce qui paraît, Paco nous a dit que GX se planquait derrière toi dans les streams et c'est ce qui faisait des fails. Là, il va falloir que tu nous expliques ça. Hein. On veut savoir qui se cache derrière toi. Est-ce que c'est bien GX? Donc, oui. Faut pas que je parle de GX, ça me portait la poisse. Donc ça sert plus. La bombe, je l'ai ramassée pour la forme, mais elle sert pas à grand-chose non plus. Qui c'est qui parle sur Twitch? Il y a des gens qui parlent sur Twitch. Alors, ma scène Twitch, elle est où? Elle est là. Tarodius, salut. Ah, d'accord, putain, la vache. Pour crocheter les serrures, Lockpick, c'est un rossignol. Un rossignol? Je croyais que ça voulait dire pied de biche, moi. Donc, là, on a la corde. Voilà, ça servira donc pour allumer, donc forcément, voilà, si on est dans le noir, etc. Donc, là, il va falloir que je me concentre sur l'endroit où aller dans la maison. Alors, c'est chaud. Donc là, ma pièce, si vous suivez sur le plan que je vous ai mis à droite, pour ceux qui n'ont que ça à foutre, il va falloir... Parce que je vais pas perdre du temps à vous montrer qu'il y a un ascenseur pour vous dire « Oh, il y a un ascenseur, il faut que j'aille chercher une clé pour ouvrir la porte de l'ascenseur. » Ce qui va me faire perdre du temps. J'ai pas envie de recommencer 10 000 fois le même truc. Donc je vais directement aller chercher Lift Key, qui est en numéro 19. Donc, 1, 2, 3, il faut que j'aille complètement à droite. Il faut que j'aille complètement à droite, en haut et à gauche. Et on y va, et on se prend des coups de boule en série, complètement à droite, en haut et à gauche. Alors, hop là, jusqu'à ce que l'on puisse plus. Voilà. Alors moi je lance toujours des batarangs, même s'il n'y a personne, parce que ils déboulent sans prévenir, hein, les persos, quoi. Voilà, hop là, on monte, une fois, ensuite on va à gauche, et ensuite on monte. Et après, on va à droite. Hop là, allez, prenez-vous ça dans la gueule. Voilà, hop. Alors là, je vais... Putain, fils de pute, tiens, casse-toi. Voilà, là, je vais déposer des objets, parce que là, on peut pas prendre plus de 1, 2, 3, 4, 8 objets. 10 objets, pardon. Donc, je vais déposer ce qui me sert à rien. Donc, par exemple, ça me sert plus à rien. Donc, je le dépose. Voilà, un petit coup de machin. Hop, je prends Lift Key. Putain, on gère le rythme cardiaque de Bartman, la classe. Ce jeu, le jeu est bien, je trouve. Ouais, ouais, ce jeu est carrément bien. Hein. Je regarderai le stream en replay, je pense, pour vraiment profiter, parce que là, c'est difficile. Je suis assez d'accord. Bon, je refresh pour voir, même si j'y crois pas. Donc là, Lift Key. Ok, donc là maintenant, je peux aller à l'ascenseur. Donc l'ascenseur, j'ai mis ça en 20. Oh la vache, il est loin.
Mais j'ai un raccourci à prendre. Je peux prendre un raccourci. D'ailleurs, j'ai rien à faire par là. Donc, je vais passer par la... Donc, je vais refaire gauche et descendre. Et ensuite, je fais gauche complètement à gauche à fond, quoi, en fait. Gauche, descendre et gauche complètement. Quand je vous dis, c'est vraiment un labyrinthe, hein, ce jeu. C'est vraiment pas... Hop, là, vous avez vu, j'ai esquivé une balle. Hop. On va complètement à gauche. Voilà, j'en ai deux pour le prix d'un. Hop, on monte. Je sais plus où on va, je jette un petit coup d'œil. Vous voyez là, l'énergie est complètement descendue. Hein. Ah putain, et c'est chaud quand même de faire ça en stream, quoi. Surtout un mois après. Donc là, je dois descendre et j'arrive à l'ascenseur en théorie. Putain, j'arrive plus à manipuler mon bonhomme. Non, ça, j'en viens d'ici. Je pense qu'il faut que j'aille par là. Voilà, complètement à fond. Ouais. Et ensuite, je descends. Oh putain, la gueule! Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc un ascenseur. Donc là, j'utilise la clé. Alors là, vous voyez, là, l'énergie, elle se casse la gueule méchamment. Donc, je vais prendre un bonbon pour remonter un petit peu tout ça. Voilà, ça remonte un petit peu. J'utilise la clé de l'ascenseur. Alors merde, c'est laquelle des deux? Je sais plus. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'était bien l'autre, donc c'est bon. A priori, ça a fonctionné. Normalement, je devrais être en bas. Alors je vais anticiper. Si je suis en bas, il va falloir que je fasse ensuite haut et droite toute. Ouais, c'est ça. Haut, droite toute. Donc là, je suis dans la cave, a priori. Voilà, donc là je descends, hop, on refait ça. Donc c'est chiant, hein, parce que là faut que je regarde le plan à chaque fois, quoi. Ensuite, je sais même pas où je suis là. Ok, je suis là. Il va falloir que je fasse gauche, bas et gauche. Donc là je vais à gauche, bas et gauche. Et normalement là, j'ai un objet. Voilà, j'ai même deux objets. Alors ça, c'est intéressant, toast, donc ça redonne de l'énergie. Extrême gauche, Philippe Poutou. Poutou, je sais pas. Le temps, c'est de l'argent. Salut Zis, hors de contexte, qui date d'il y a 10 minutes. J'aurais pas dû refresher plus rien, oh putain la loose. Oh la gueule. Je vais te donner un repère dans le temps, là où tu... Là, tu parles d'aller chercher une clé et tu passes devant une maison où tu ne peux pas rentrer. Oh la gueule, mais c'était il y a longtemps ça. Oh putain là là. Ça déconne sévère ce soir. Heureusement que je suis pas en wifi, hein. Putain la gueule. Et donc en 21, ouais, en 21, j'ai bien deux objets, voilà. Dose, toast, et ensuite, ici. J'ai un truc, caring too much, ah oui c'est vrai, il va falloir que je vire des trucs qui me servent à rien. Qu'est-ce qui me sert à rien? La bombe, elle me sert strictement à rien. Hop là, dart, alors dart, j'ai regardé sur, je ne savais pas ce que ça voulait dire, c'est une fléchette. Donc, bon, voilà, c'est une fléchette. Et on en a besoin. Donc ensuite, je vais à l'extrême droite. Hop là. Alors les pingouins, on peut les buter en faisant bas, accroupi, bas. Honnêtement, c'est sans arrêt. Donc en fin de compte, c'est une grosse perte de temps que de s'attarder sur les ennemis. On n'a pas tout notre temps. En fait, il faut tracer constamment. En fait, hein. On fait des coups de balayette. Alors là, il y a une disquette. Caring too much. Oh putain, c'est chiant quoi, sans déconner. Hop, alors je vais me prendre un petit bout de pain là, parce qu'il me restera à manger du pain et une canette de bière, une canette de coca ou je sais pas quoi, enfin bref. Hop. Ça remonte un petit peu, mais pas tant que ça.
Et donc je vais ramasser la disquette qui pour la suite du jeu sera fort utile. Games disc. Mais comme j'ai dit au début, le but c'est de foutre un virus dans l'ordinateur. Donc voilà, après c'est facile à deviner. Voilà, le... Batman n'est pas con au point d'avoir foutu une disquette de jeu dans sa Batcave qui soit vérolée. Voilà, là je monte. Là je suis perdu. c'est gauche, on monte et gauche. Ah, voilà, caring too much. Putain, c'est relou quoi. Qu'est-ce que je peux jeter Je vais bouffer un truc quoi. Voilà, seulement après j'ai plus rien à bouffer. Donc il y a un truc qui pourra me sauver la mise, c'est Red Nose, ça me permet d'être invisible. Donc et de passer devant les ennemis. Mais ça je préfère l'utiliser pour la prochaine maison. Ça me sera fort utile. Si j'arrive à aller jusqu'au bout, parce que franchement, faire ce jeu en causant, je perds un temps mais de malade quoi. Mais au moins je vous aurais montré le fonctionnement du jeu quoi. Si j'arrive au bout de la première partie, je refais un deuxième stream avec la deuxième partie peut-être la semaine prochaine. Si je vais pas jusqu'au bout, voilà, c'est bon, vous avez pigé le fonctionnement. Après, je vous laisse les maps et puis vous ferez votre truc quoi, au calme. Donc, là, je vais prendre l'objet qui est par terre, qui est important. Freed Egg, parce que tout ce qui vous redonne de l'énergie, c'est important. La vache, il y a combien de décalage? Bah oui, je sais, un pauvre Descartes, j'y peux absolument rien. Je suis désolé. Les gars, les mecs, ils ont complètement décroché, quoi. Ouais, vas-y, demande à le Joker, fais-lui le cul. Ouais, si je pouvais lui faire le cul, il empêche qu'ils sont nombreux, les Jokers. À un moment donné, je lui fais la bite dans la deuxième partie. Mais alors, j'en dis pas plus. Donc, j'ai pris les œufs, ok, très bien, mais on s'en fout. Là, j'ai marqué 2 halves. Donc là, il y a deux pans de mur. Il y a deux pans de mur. Et j'ai essayé tous les objets, et à un moment donné, la corde fonctionne. Parce que vous allez voir, j'utilise la corde. Voilà, déjà, on passe à 31%. Et voilà, la corde permet de monter. Et je me retrouve dans une salle secrète. Repère temps. Là, tu entres dans la maison du Joker et tu nous montres la carte. Oh la gueule, j'hallucine toujours là. J'hallucine grave, les gars. Là, je vais vous faire une annonce du futur. Vous qui me regardez, je vous parle du futur. Voici votre futur. Je suis dans une salle secrète. Quand vous verrez cette phrase-là sur le chat, rappelez-vous-en. On pourra même faire des petits jeux avec ce décalage. Ça peut être intéressant, le lag. Je vous parle du futur. Et vous me voyez dans le passé. Ouais, je trouve ça... classe. Ziz du futur. Donc, pour vous donner un repère, il est 22h53. Donc, là, je ramasse un objet. Ou pas. Non, fait chier. Bon, là, vous voyez, là, il y a Batman. En fait, je suis dans la maison du Joker. Et il y a Batman qui est reproduit ici. Donc, je me mets en face. J'ai cherché pas mal de temps. Et il y a un outil qui fonctionne sur ça. Alors, je suis désolé, parce que je vais vous spoiler le jeu en même temps, finalement, en vous donnant des réponses. Je vais sélectionner ma fléchette. Oh, de mémoire, hein, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça.
Et en fin de compte, j'ai joué à la fléchette et ça m'a ouvert un tableau secret. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau secret? Passe! Est-ce que vous vous le rappeliez qu'à un moment donné, il y avait une porte marquée Don't Pass, Go? Je me demande si c'est une sorte de. C'est, ça devait être un jeu de mots aussi. Don't Pass, Go. Donc il y a peut-être un petit jeu de mots à faire. Je vais rentrer dans une capsule temporelle. On la ressortira dans 30 ans quand Z-Square lira ce commentaire. Je vais entrer dans la time box. Ça existe une time box? Ah, ça y est, tu te rends compte du décalage. Putain, sérieux, il y a un gros décalage temporel. En même temps, moi, ça m'amuse. Bon, après, on s'amuse comme on peut. Passe. Donc voilà, j'ai mon passe. Donc ça veut dire quoi? En gros. Alors l'espèce de d'aimant là, j'ai pas souvenir que ce soit utile quelque part, sans déconner. Je crois que ça sert à rien. Je prends le risque de le laisser là. Ça se trouve, je fais une grosse connerie, mais je pense pas, parce que à la fois il y a aussi une trompette hein, dans le jeu. Donc la trompette, voilà, ça sert à rien. Et à un moment donné. Ah, quand je suis à côté de l'ascenseur, je suis à côté de la sortie. Ah, sympa, ok, d'accord. Alors là, il faut que je revienne en arrière. Donc là, il faut que je sorte de la pièce et que je revienne sur mes pas et que je revienne en ville et que j'aille à l'autre porte. Et j'ai 10 objets. J'ai 9 objets, je peux en prendre un. Allez, je prends le risque quand même de le prendre parce que ça va m'emmerder si je le prends pas, j'ai un doute. Voilà. Hop, allez, on monte à la corde. Hop là, regarde bien comme énorme comment on fait. Hop là, on monte en diagonale, t'as vu? C'est pas dur, hein? Hop, on descend. Et ensuite, on fait... Alors voilà, donc là, il faut que j'y aille. Là, il faut pas que je traîne. Est-ce que c'est bien par là? Non, c'est par là. Ok, c'est pas grave. Hop, on va complètement par là. Hop. Ça, prends ça dans ta gueule. Toi aussi. Et là, je vais complètement, pratiquement à l'extrême gauche. Là. Alors, j'ai pas compté le nombre de fois. Ah, c'est peut-être cette porte-là, d'ailleurs. Ça passe vite, des fois, le scrolling. Là, ouais, ça doit être ça. Et après, je vais à droite. Après, je suis perdu, je regarde le plan. Quand je fais ça, c'est pour regarder le plan. Parce que je suis un peu paumé. Il faut que j'aille en haut. Est-ce que je peux aller en haut? Alors oui, là, vous voyez... Oh, allez, vous faire foutre, putain! Mais lâchez-moi le cul, bordel de merde! Putain! Voilà, on n'est pas complètement mort en fait. Hein. Il faut que toutes les jauges soient à zéro pour faire un game over. Là, je suis paumé. Là, je suis paumé. Donc, il faut que j'étais en haut. Alors, il faut que j'aille complètement à gauche. Voilà, j'ai encore une pièce, une autre, et je descends. Hop là, je descends. C'est pas super maniable avec le. J'ai pas l'habitude du joystick. Je joue comme une merde. Voilà, là on se retrouve à l'ascenseur. Je réutilise la clé, forcément. Alors, est-ce que c'était bien celle-là? Je suis pas sûr. Oui, c'est celle-là. Alors, un truc que j'ai regardé sur le plan, j'ai dit que j'avais un raccourci en fait. Parce que j'ai mis du temps avant de passer à l'ascenseur, mais en fait. Si je vais à gauche, j'arrive sur la première pièce de la maison du Joker. Si je ne me trompe pas. Voilà, et là je retourne dehors. Yes! Ok! Bon. On va dire que les deux tiers du jeu, donc enfin, de la première partie, sont faites. J'ai fait la Batcave. Et la ville, pour moi ça fait un tiers. Là je viens de faire le deuxième tiers du jeu, donc c'est la maison du Joker. Ça.
Et donc il va falloir donc que j'aille à l'autre bout. Donc je vais rester sur les toits. Je vais gagner du temps si je passe par les toits, que je redescends sur l'échelle qui est complètement à l'extrême droite. Pour revenir directement, finalement c'est la même qu'à l'extrême gauche. Et je rejoins la porte Don't Pass Go. Donc, pour vous donner un petit aperçu. Hop. On va rechanger de scène, je vous remonte le plan. Touk. Donc voilà. Bad cave down. Tac. Là, c'est. Putain, c'est chaud à faire ça. Hop là, ça c'est la ville. Donc terminé. Je suis rentré par cette porte-là pour aller dans la maison du Joker. J'ai fait toute la maison du Joker. Avec la corde que j'ai utilisée ici pour jouer aux fléchettes et puis trouver le pass. Je suis revenu, nananana, tac, je suis sorti par là, ce qui m'a ramené ici. Donc si je vais ici, voilà, en A, ça me ramène en fin de compte en A ici. Et moi je dois aller ici, sur cette porte là en fait. Donc c'est là qu'on va aller. Batman! Voilà. Là, ça se trouve, je vous ai explosé les oreilles. Alors, on retourne au jeu. Il y a un truc que j'aurais aimé qu'ils mettent dans ce jeu-là. C'est les chak, les poum, les boum, les gnocs. Tout le côté BD. Du premier Batman, ça aurait été sympa qu'on puisse avoir des petites bulles BD histoire de que ça rappelle un petit peu les comics. Donc on y va, allez à tribord toutes. Ouais, je sais, on dit ça que quand on est dans un bateau, mais hop là. Et on descend. Et on va aller. Une, deux. On s'en fout. On passe directement. Hop là. Un petit coup de pirouette. Là, on n'a plus besoin d'y aller. On a ce qu'il faut. Un autre petit coup de pirouette. Tiens, regardez, je me baisse. Hop, j'esquive la balle. La classe, hein. Ça, c'est du skill, ça. Skill de poule. Hop là. Bon. À cet endroit-là. Connor, chie-moi dans la gueule. Je m'en fous. C'est quoi ces façons de parler des cartes? De toute façon, t'es live, plus la merde. Qu'est-ce que tu es mal en parolé des cartes? C'est pire que BDC. T'as vu, hein? Je dis que t'es pire que BDC. Comme ce de Disquire. Non, je raconte de la merde. Nanana nanana. Ah, non, 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 tu me chies dessus avec GX. Non, non, mais invoquez pas GX, malheureux. Pitié. Donc j'utilise mon pass. Ok. Poum. Allez, là, je suis à 58% du jeu. Donc, là... On ne rigole plus, je vais rentrer dans la maison du de l'autre connard là. Le pingouin. Donc, de l'autre pingouin, c'est le cas de le dire. Je vous montre la map. Touk. Allez, on rechange de scène. Voilà, donc c'est une map que j'ai même pas refaite, elle est assez brouillon. Donc j'arrive de là, ici. Qu'est-ce que j'ai noté? Est-ce que là je me rappelle plus trop? Nanana. Alors voilà, la fin elle est là. J'ai écrit en gros fin. Putain, je me souviens plus du tout là, sans déconner. Qu'est-ce que c'était que cette partie là? Non, ça c'est la deuxième partie du jeu, ça. Donc ça c'est pas ça. Là c'est 16. Non, non, si c'est bon, j'avais raison, c'est bien ça. Voilà ce que c'est de streamer un jeu qu'on a fait un mois avant. Parce que j'ai surtout beaucoup joué à Mask, moi, en plus, ces derniers temps. Et donc, du coup, j'ai un peu zappé Batman. Donc. C'est le bordel. Il faut que j'arrive à fin. Oh là 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 là, ça va être galère d'aller jusque là.
Surtout que j'ai marqué fin, mais je dis même pas de où est-ce qu'on passe, quoi. Donc en fin de compte, on passe par là, on arrive en 25, on arrive à D, et D ça nous renvoie ici. Ça nous mène à C. En 25, c'est quoi l'objet qui est en 25? Donc ça, j'ai marqué ça sur cette feuille-là en fait. Donc les objets qu'il y a notés sur cette feuille-là sont répertoriés sur ce plan-là en fait. C'est vachement pratique. Tiens, d'ailleurs, je vais me laisser ce plan-là en vue, histoire que ça soit plus facile pour moi. Et donc voilà, donc j'arrive donc normalement en 25, il y a marqué Don't mention it, donc ça je me souviens. Quand on va à gauche, j'arrive en 26 et il y a tape, donc bah ouais, je peux l'utiliser. Ce qui, je me rappelle plus, mais je crois que ça sert à rien. Je vais complètement à droite. En haut, c'est marqué tape et là je peux mettre la caisse. Ok, d'accord. Après j'arrive par là, j'arrive à un escalier, nanana, en C. En C, je vais jusque par là, j'arrive en D. Ah oui, en fait, quand je passe par là, ça m'emmène en... Oh, d'accord. Donc, en fait, ça sert à rien que je passe par là. En fait, c'est un vrai labyrinthe et vous avez des pièces qui rallongent un petit peu votre parcours, quoi. Donc, en fait, il faut bien calculer son parcours. Et moi, je me rappelle, mais vraiment plus du tout, quoi. 27. En 27, c'était cupcake. Alors, le cupcake, il est important parce que ça redonne de l'énergie. Quoi qu'il me reste des œufs frits que j'ai. Comme quoi, Batman, il est vraiment dégueulasse. Hein. Il ramasse vraiment tout ce qu'il trouve, quoi. Oui, Z-Square, nous sommes du futur. Point de crochage sur la bonne traduction pour lockpick. Je me demande si mes points de vie ont descendu là depuis ou pas. Non, ah, non, a priori, non. Toujours voilà. Donc voilà, donc on va déjà essayer d'aller jusqu'au premier escalier. Donc je vais rentrer dans la pièce et forcément il va se passer quelque chose si ma mémoire est bonne. Hop là, allez, c'est parti. Hop, on rentre. Oh, il fait nuit. Ok, bon, bah pas de panique, pas de panique. On a une lampe torche, souvenez-vous, qu'on a ramassée sur les hauteurs du bâtiment qui était à l'ouest. Hop là, et on gagne 10%, et en plus on gagne une place de plus dans l'inventaire. Je pense que le Red Nose, je le prendrai quand mes jauges d'énergie sont vraiment basses. Ça me permettra d'éviter les ennemis et de m'en prendre plein la gueule. Donc je l'utiliserai certainement vers la fin. Donc à partir de là, je vais aller deux fois à gauche pour ramasser 26 et tape. Oh, elle sert à rien, mais voilà, c'est fun de s'amuser à ramasser ça. Hop là. Donc là, vous voyez, il y a des pingouins partout sur la tapisserie. Je trouve ça très joli. Comme décor, et puis voilà, vous voyez, il y a le pingouin. Alors, j'ai pas compris pourquoi dans le jeu ils étaient plusieurs, fils de pute, casse-toi, putain, ta mère! Pardon, j'ai pas fait exprès. Oui, attendez, j'ai oublié de changer de scène. Quel connard de blaireau que je suis. Now you have the tape! Oh yeah, motherfucker! Bon. Allez, droite toute. On fonce. On réfléchit pas. Droite toute. Allez, tiens, prends ça dans ta gueule, Joker. Pingouin. Et papa pingouin. C'est le papa des pingouins, en fait, hein, le pingouin. Le petit pingouin mécanique. C'est le papa pingouin. Hop là. On continue d'avancer tranquillou. Hop, on monte. Et là, poum. Oh, une petite télé. Alors, il y a un truc rigolo. Je voulais. On va montrer, il y a un magnétoscope en dessous. On va utiliser la cassette. Boum! Et là, qu'est-ce qu'on voit? Oh, la télé. Voilà, c'est super, hein? Ça vous passionne, hein? Voilà, bon là, il y a une porte, j'imagine qu'il va falloir la prendre, c'est la seule issue. Je jette un petit coup d'œil à la map. Qu'est-ce que j'avais fait? Oui, c'est ça. Et
on va en haut, et puis après on va deux fois à gauche, et il y a un escalier. Et normalement ça donne sur un cupcake. Allez, c'est reparti. Hop, ta gueule, espèce de clone. Hop là, complètement par là, voilà, sachant que c'est, faut pas y aller, ce que ça redonne par je sais plus où, c'est un peu la merde après, voilà, il y a un petit escalier qui monte. Donc on y va, on monte à l'étage. Hop, cupcake. J'ai toujours la peur de me planter dans ma map, en fait, vu que je l'ai pas refait depuis un moment. Dart, fléchette... Les lives de Z-Square est génial ce soir. Ouais, je suis pas sûr que ce soit si génial que ça. Bizarre, c'est fail, moi je dis. Merde, caps lock. Mac parle comme Mac. Du batch bliss. N'oublie pas que c'est la cave de Bruce Wayne. Il comprend rien ce que vous dites. Donc... Après le cupcake, alors si on va complètement à droite et qu'on descend, boum, impasse, on perd du temps, et c'est la merde. Prochaine pièce à droite, il faut que je descende. Il faut que j'arrive à me souvenir de tout ça. Donc on va dire droite, bas, droite, bas. Droite, bas, droite, bas. Droite, bas, droite, bas. Donc droite. Hein, hop, bas. Droite et bas. Ok. Alors là, on trouve. On va trouver. Alors, je le prends pas hein, parce que franchement, là, j'ai tout ce qu'il faut dans mon inventaire. Normalement, ce que vous voyez en 30, c'est. Qu'est-ce que j'avais noté knife. Un couteau. Donc, j'en ai pas besoin du tout, franchement. Donc, le jeu vous force aussi, des fois, dès que vous trouvez un truc, à prendre quelque chose. Ça vous met en saturation au niveau des objets. Donc là je suis bien. Là, je suis bien. Là, vous voyez ici, j'ai un cupcake. Regain d'énergie. Fried eggs. Regain d'énergie. Donc déjà, j'ai deux trucs d'énergie. Donc c'est plutôt cool. Je peux pas me séparer de la lampe torche, sinon voilà, c'est noir complet. Je peux pas me séparer du batarang. Je pourrais me séparer de ça, mais je ne sais plus, j'ai un doute. La clé de l'ascenseur, je pourrais m'en séparer. Donc si jamais j'ai un souci pour porter un autre objet, je me sépare de l'un de ceux-là. Ensuite, il va falloir que je fasse droite, 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 droite. Et pour aller chercher un truc en 29, mais c'est quoi en 29? Banane. Ah oui, une banane, c'est pas mauvais ça, une banane. En E, ça sert à rien d'y aller, donc il faut que j'aille en 29. Et après, il y a des petits escaliers. Ah si, ça y est, j'ai compris pourquoi j'ai mis mes petits escaliers. Ok, j'ai pigé. Donc, on y va. Allez, c'est parti. Donc, j'ai dit droite, haut. Non, j'ai dit droite, droite, droite. Ouais, enfin, extrême droite, quoi. Allez, c'est parti. Allez, mais fermez vos gueules, là, connard. Ah, que ça m'énerve quand ça bloque en boucle. Allez, coup de boule de manouche. Putain, la vache. Hop là, open the door hole. Ah, ça y est, je me rappelle. Vous vous souvenez? Door key que j'ai pris, qui était dehors. Eh ben, elle sert à ça, la clé. Elle sert à ça, la clé. Alors ça, c'est lift key. Pas besoin. Ça, c'est la clé d'une porte. Door key. Donc ça, j'en ai besoin. Et bam, 78 dans ta face. Par contre, voyez là, l'énergie moyen. Je me ferais bien des petits œufs frits, moi. Ils étaient un peu pourris, mais c'est pas grave. Batman, il a franchement un estomac et un transit intestinal costaud, hein. Parce que franchement, avec tout ce qu'il bouffe et qu'il ramasse par terre dehors comme un vulgaire clodo, il y a longtemps qu'il aurait eu la chiasse si c'était un vrai Batman. Du coup, je pense que Ziz a dû finir de streamer, là. Non. Non, mais je suis pas loin de la fin du jeu.
21 minutes de lag. Oh la gueule. C'est incroyable ça quand même. 22h53, ici il est 23h14. Bah ouais, là moi aussi, du coup il est 23h14. Je pense que je vais laisser le stream tourner à la fin. Je vais le laisser tourner 20 minutes. Parce que si je coupe au bout de 20 minutes, vous n'allez pas voir la fin du jeu. Donc c'est le truc un peu couillon avec OBS. Donc je laisserai la musique tourner en boucle à la fin. Pendant, voire même, parce que là, vu ce que me dit MacDef, 22h53, 22h... Ah non, quoique, 53... Ouais, 20 minutes. Ouais, je le laisserai tourner pendant 25 minutes sur un générique de fin. Parce que là, ça pue du cul. Hein. Retour vers le Z-Squire. Ouais, tout à fait, Moonbeam. C'est un petit peu ça, quoi. Donc, j'en étais où, moi? Je viens de bouffer mes œufs. Et je m'apprête à aller dans la porte. Voilà. Allez, mes gros cochons. Je vais vous faire frire. Voilà. Sympathique, ça. Hein, sympathique, la maison du Joker. Par contre, en 29, là-haut, j'ai une banane à aller ramasser. Allez, Batman the Clodo Crusader, là. Va ramasser les merdes qui traînent chez le pingouin. D'ailleurs, depuis quand les pingouins bouffent des bananes? Ah ben non, d'ailleurs, s'ils ont laissé une banane... Banana. C'est que les pingouins ne mangent pas de bananes. C'est intéressant ce que je vous raconte, hein, sans déconner. Hein. Ça doit être passionnant à regarder, les mecs, quoi. Heureusement qu'il y a un jeu. Hein. Hop, on descend. Allez, on va par là. Three step to hell, motherfucker. Oh, je suis sur le petit escalier. Alors là, je vais quand même manger une banane. Ou un cupcake. Oh non, un cupcake, parce que sinon il va refroidir et ça va être dégueulasse. Hop, allez, on se fait le cupcake. Voilà. Ce qui me laisse un petit peu de place pour attraper un objet qui est complètement inutile à la fin. On continue. Ha ha ha, Batman avec une trompette. Eh, ça fait un bout de temps que j'ai parlé de trompette. Alors justement, Paco... je m'apprête à aller vers la pièce où il y a justement une trompette. Hop là. Hop. On approche de la fin du... Là, voilà, regardez bien là, hein, j'hallucine pas. Hein. Trumpet. Voilà. De toute façon, Batman, c'est vraiment... Il prend tout ce qu'il trouve, hein, c'est vraiment un clodo. Depuis le temps qu'il lutte contre les super méchants, les vilains méchants, il doit avoir un tas de merdiers chez lui. Batman Brocante. Bon, vous êtes prêts? Hop. Et là, the big turn off. Bon, bah vous voyez, là, c'est la salle des machines, on peut pas aller plus loin. Bah, en fait, c'est ça la fin du jeu. Je vais vers l'ordinateur. Je vais dans mon menu. Alors, par contre... Je mange les bananes pour la gloire. Pour la gloire, je mange la banane. Pour faire monter mon pourcentage, bon, ça sert strictement à rien ce que je fais. Hein. Je mange mon nez rouge, mon red nose. Voilà. Ça me fait rien du tout. Je pensais que ça allait augmenter 78. Je mets mes chaussures parce que les bottes, au bout d'un moment, on a mal aux pieds. Voilà, 80%. La trompette, si je l'utilise... 80%, putain, il joue de la trompette, Batman. L'aimant ne sert à rien non plus. 90%, ça fait monter tout simplement, en fin de compte, le score dans le jeu. Que d'autres, là, ça sert à rien. Donc, vous voyez, quand il y a eu le red nose et les chaussures, je vais vous montrer quand même ce que ça fait, juste pour vous voir. Voilà, voilà, là, Batman, là, il est complètement speedé, quoi. Alors, vous voyez, là, je fais ça. Regardez dans le... Vous voyez, là, le cœur. Repérez à peu près à quel niveau il est. Je vais courir comme un connard, de gauche à droite, et vous allez voir que courir, là, le cardio, Batman, là, il supporte pas, quoi. N'empêche, en même temps, c'est une grosse feignasse, parce qu'il passe son temps à voler, là, tout ça, mais... Voilà, tac, et regardez maintenant, vous voyez, le cardio, il a un petit peu descendu. Ah, pas tant que ça, en fait, pas tant que ça. Bon, je vais pas jouer au connard, parce que du coup, là, si tout se casse la gueule...
Attendez, je me demande si la jauge qui est complètement à droite, où je disais tout à l'heure que je ne savais pas à quoi elle servait, ce n'est pas le temps. Ah, je sais plus, je regarde à nouveau dans le manuel. Le manuel que j'ai sous les yeux normalement. Ceci est un jeu d'aventure d'arcade avec passage à tabac sous-entendu. Ouais, alors le passage à tabac, il est gentil. Hein. Batman, il tue pas dans le jeu. Hein. Il fait faire des pirouettes aux ennemis. Le jeu consiste de deux complots tournant autour des plus mortels ennemis de Batman, le Pingouin et le Joker. Chaque complot est loué de manière similaire. Bien que les lieux et problèmes divers que vous affronterez varieront. Ouais, ok. Le point sur les intrigues. Alors voilà, nous on est dans le complot du Pingouin. Un oiseau en main. Étant sorti de prison, c'est marrant parce que je vous donne le scénario à la fin du jeu. Étant sorti de prison, le Pingouin décide de monter une usine de fabrication de parapluies. Ah, je croyais que c'était une usine de pingouins. Ah non, si, après. Près de sa villa de Gotham City. Mais bien sûr, il est difficile de se défaire de mauvaises habitudes, et ceci n'est pas une couverture. Ce n'est qu'une couverture. Putain, la vache, j'y vois de moins en moins avec l'âge. Ce n'est qu'une couverture pour son plan ingénieux qui consiste à se rendre maître du monde en utilisant une armée de pingouins robots. En tant que Batman, vous pouvez détruire l'ordinateur central de contrôle, la pièce où nous sommes, qui est cachée, et arrêter cette conspiration maléfique. Donc voilà. Alors là, voilà, j'arrête le suspense. Voilà. Je vais me mettre à côté de l'ordinateur. D'ailleurs, vous voyez, c'est marrant, il y a une espèce de petit bonhomme en bas. Comme un fantôme de Pac-Man ou de Space Invaders. Vu que c'est un truc de jeu. Alors la disquette est verrouillée, donc on va la mettre. Tac. On l'utilise. Et voilà. Jeu 100% computer stopped. Donc voilà. C'est franchement déçu par la fin du jeu. Parce que j'aurais bien voulu un petit truc, une cinématique. Même pas une cinématique, hein, juste un petit screen de rien du tout. Juste pour dire, ouais, voilà, l'ordinateur a été arrêté, voilà, c'est bien, on rentre chez toi, voilà. Et puis ça nous remet sur l'écran du début, A Bird in the End. Donc voilà. Donc, étant donné qu'il y a du lag, donc je vous ferai la deuxième partie sur un autre stream, déjà d'une part parce que vous allez vous retrouver avec 2 heures de lag à la fin, donc je vais arrêter la casse ici, et puis je vais laisser tourner la vidéo pendant 20 minutes, donc je vais fixer l'écran pendant ce temps là, et puis voilà, je vous dis à la prochaine quoi. Ah, c'est chiant, putain. Je vais regarder ce que vous dites sur le chat. Je vais quand même vous dire que le jeu est fini. Alors, le jeu est fini. Je laisse tourner la vidéo. Ok. Donc voilà. Je vais lire un petit peu ce que vous dites. Oh tiens, je vais vous montrer des trucs que j'ai achetés pour les streams. Donc là, je vous ai montré que j'avais streamé sur une manette. Comme ça, là, une appareil de 1600, qui est très jolie. Une manette de Noël. J'en ai acheté d'autres parce que bah voilà, c'est pas solide une manette, mes murs sont assez robustes. Hop, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Non, en fait, c'est pour les streams sur les autres consoles. J'aime bien faire style, ah, je fais du streaming sur Sega, et puis en fait, c'est pas vrai, c'est un émulateur. Quoi. Donc voilà, USB, donc j'avais acheté ça, quoi. Voilà, pour. Je sais, ça se trouve, vous en avez strictement rien à foutre, mais bon, franchement, je sais pas quoi foutre pendant 20 minutes, quoi.
Voilà, une USB aussi, voilà, style NES, quoi. Et montrer une carte, chanter, chanter, tu es gentil. On te voit crier Batman. Putain, mais c'était il y a un bout de temps, ça. Sans déconner. Voilà, j'en ai aussi pris une de SNES. Et celle-là qui me sert un petit peu à tout, quoi. Voilà, jeu PS2, PS1, et puis un peu de tout, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'ai pris là, pour le stream. Ce qui est déjà pas mal, quoi. Et puis voilà, quoi. Franchement, je vais me faire chier pendant tout ce temps-là, quoi. Donc, il y a un truc qui serait sympa, c'est que vous me dites à quel moment. Je vous dis de me dire de ce que vous avez... Ah non, je sais pas, je m'embrouille là. Je sais pas quoi foutre, hein, les mecs, sans déconner. Bon, bah... Vous me dites, hein, quand c'est fini. Qui surveille le serveur chez Twitch se marre et se demande quel est le neuneu qui stream dans ces conditions. Il se demande également qui le regarde. Ouais, ça doit être marrant, ça. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a sur Twitch? Twitch, moi la nouille. Ah bah, ça lag ici aussi, dit BDC sur Twitch. Ça lag ici aussi, son Mac fait en pax pour le stream, je pense. Non, d'habitude, ça marche très bien, quoi, pour... Il n'y a pas autant de lag. J'imagine qu'il y a un souci de connexion ou une connerie dans le genre, quoi. Définitivement, je pense que je vais regarder en replay. Ouais, moi, je vous conseille de regarder en replay, hein, parce que ça va être vraiment lourd, quoi. Bon, bah je sais pas quoi foutre, sans déconner. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire une petite vidéo d'interlude. Je me fais chier, là. Je me fais chier. Dites-moi quand j'ai fini le jeu, dans le passé, parce que là, dans le futur, c'est pas facile, quoi. Ah tiens, c'est rigolo. Ça, c'est quel niveau de Tetris? Niveau 1. Là, vous me voyez plus. Là, vous me voyez. Vous me voyez plus. Non, là, vous me voyez plus. Là, vous me voyez. Là, vous me voyez plus. Là, vous me voyez. Et une force en flamme qui brûle tout au fond de toi. Et l'espoir qu'un jour tu trouveras la foi. C'est long, hein. Bon, je vais mettre le générique de fin et je me casse. Allez, ciao!
cauchemar.